c'est bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Jewstore. Aujourd'hui, on va voir pourquoi rejoindre la marketplace Jewstore. Vous avez entendu parler de la nouvelle marketplace juive, Jewstore, tous les produits juifs sur la même plateforme, et vous voulez savoir quels sont un petit peu les avantages, qu'est-ce que c'est concrètement. Donc on va voir ça pour les vendeurs, donc les avantages à vendre ses produits sur la marketplace. On va voir ça également pour les clients, les avantages pour les clients à venir sur la marketplace Jewstore pour acheter. Et également les avantages pour les ambassadeurs slash affiliés. Donc c'est la même chose, ambassadeurs ou affiliés. On va voir qu'est-ce que c'est plus en détail. Alors en fait, il y a trois types de comptes sur Jewstore, trois types de personnes. Certaines personnes peuvent être à la fois clients et ambassadeurs. Certaines personnes peuvent également être vendeurs, clients. Bon, après ça peut se mélanger, mais voilà. Disons qu'il y a trois types de comptes différents. Enfin, deux types de comptes, vendeurs et clients. Et l'ambassadeur, c'est un petit peu à part, mais ça marche également sur la marketplace Jewstore. On va voir tout ça en détail maintenant. Alors, les vendeurs, c'est eux qui ont le plus d'avantages à venir vendre sur la plateforme pour beaucoup de raisons. Déjà, c'est la possibilité d'avoir un site e-commerce gratuitement. Donc concrètement, sur la marketplace Jewstore, on ne prend que 10% de commission sur vente. C'est-à-dire que c'est gratuit d'avoir votre plateforme de vente sur Internet, de mettre vos produits, d'avoir votre page avec votre nom de boutique, de mettre une description à votre boutique, de mettre vos réseaux sociaux, de mettre vos informations d'entreprise et d'avoir une page comme ça sur Internet gratuitement. Donc une page centrée sur votre marque, de faire des ventes en ligne, de montrer tous ces produits, d'avoir la visibilité sur Internet, voilà, de montrer que c'est une marque sérieuse, parce qu'on fait un site Internet, ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux, que vos produits sont accessibles pour tous en dehors de la plateforme. C'est-à-dire que souvent, je vois des personnes voilà, qui vendent par exemple sur Instagram, ils vont être que sur Instagram, ou d'autres gens qui vont vendre sur Facebook, que sur Facebook, mais c'est des gens qui n'ont pas Insta ou pas Facebook, c'est compliqué. Au moins sur un site Internet, tout le monde peut avoir accès. Et aussi, également, ce qui est intéressant, c'est l'automatisation d'une partie du business. Ce qui fait un gain de temps, c'est que comme tout est sur Internet, ça vous évite de discuter plein de fois avec tout le monde. Le problème un peu des réseaux sociaux, c'est que il y a tout le temps des gens qui envoient des messages, on a plein de commentaires, etc. Donc il y a beaucoup de pertes de temps, de négociations. Aussi, c'est la même chose, il faut à chaque fois publier pour être visible, etc. Alors que là, vous mettez vos produits une seule fois, ils sont visibles tout le temps sur la plateforme. Donc il n'y a pas besoin d'envoyer des commentaires, de republier, etc. Tout ça. Donc c'est un gain de temps énorme, il n'y a pas trop de négociations avec les gens. Généralement, les négociations, s'il y a besoin de détails ou autres, ils peuvent le faire, mais ça va être une minorité de clients. Donc ça vous fait gagner un gain de temps énorme. Ce n'est pas toutes les personnes qui vous contactent à chaque fois, mais uniquement ceux qui ont des questions ou ceux qui ont un problème. Donc voilà, ça c'est déjà, juste avec ces avantages-là, c'est déjà génial. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on est tous unis pour promouvoir la même plateforme. Donc là, ça s'adresse plutôt à ceux qui ont déjà un site internet, qui se disent, bon, ben, j'ai déjà un site internet, moi, je ne suis pas concerné par ce premier critère. Alors, le deuxième, qui est plus intéressant, c'est qu'on est tous unis pour promouvoir la même plateforme. Tous les vendeurs sont sur la même plateforme. Donc, tout le monde va faire la pub pour le même site. Et du coup, ben, quelqu'un qui va venir, admettons, pour acheter chez une marque, ben, il va découvrir aussi les autres marques. Et ça va faire un peu de la publicité pour tout le monde. Et chacun va faire la publicité pour tous. Donc ça va mélanger un petit peu les communautés, mais ça va permettre à tout le monde de vendre plus. Donc c'est très intéressant. C'est comme par exemple, pourquoi tout le monde vend sur Amazon? On pourrait se dire, bah, on gagne plus d'argent quand on vend tout seul. Bah, quand on est un site ultra connu, oui, on peut gagner plus d'argent en étant tout seul, mais quand on n'est pas trop connu, c'est mieux de justement venir sur la marketplace parce qu'on va profiter en fait de toutes ces personnes qui se font de la pub mutuellement. Paramétrage du compte et mise en ligne des produits gratuits. Donc ça, c'est au choix. Soit les vendeurs peuvent le faire eux-mêmes, soit je peux le faire pour eux. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Des fois, on n'a pas trop le temps pour le démarrage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Et des supports gratuits. Il y a des vidéos tutoriels qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Il y a également moi qui suis disponible au cas où les vendeurs ont besoin d'aide. Ensuite, il y a la diffusion de vos produits sur différentes plateformes. Alors, il faut savoir que donc le site... la plateforme Jewstore est en connexion avec plusieurs services. Donc déjà, pour commencer, la base, moteur de recherche, marketplace Jewstore. Donc ça, vous êtes présent dans la barre de recherche. S'il y a des gens qui tapent des mots-clés de produits ou autres, ou qui vous recherchent sur la plateforme, vous y êtes automatiquement. Donc vous n'êtes pas caché, etc. Il faut payer pour être visible. Non, pas du tout. Vous y êtes gratuitement.
Donc vous serez également dans les recherches Google, c'est-à-dire quand les gens vous recherchent votre produit sur Google, ils le trouvent, ils trouvent votre page, ils trouvent votre produit, ils peuvent l'acheter directement. Donc ça, c'est très très important. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la majorité des achats, ils ne se font pas sur les réseaux sociaux, ils se font sur Google. Quand vous l'achetez un produit, vous allez sur Google, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui sont que sur les réseaux sociaux, vous pouvez gagner énormément de ventes grâce à ça. Ensuite, pareil, vous serez également sur Google Images et Google Shopping. Donc parfait, des personnes qui voient des images pour trouver des produits, qui tapent le nom d'un produit. Ils vont dans les images pour voir qu'est-ce que c'est. Hop, ils voient la photo de votre produit, ils sont intéressants, ils sont intéressés, ils achètent. Pareil pour Google Shopping, c'est vraiment la formule de Google pour faire les achats. Directement votre produit, en un clic, hop, ils arrivent sur la fiche produit, ils commandent. Pinterest, c'est également le même style, c'est un moteur de recherche d'images, donc c'est un peu comme Google Images, mais c'est un réseau social en même temps. Et là, en gros, l'avantage, c'est que comme pour Google Shopping, il y a sur chaque image, on peut cliquer dessus et atterrir directement sur le produit. Donc c'est ultra puissant. Et il faut savoir quelque chose, c'est que toutes ces choses-là que je viens de le dire, à part les recherches Google et Google Images, ou peut-être que ça prend un petit peu plus de temps, mais en tout cas, ce qui est le moteur de recherche Google Store, Google Shopping et Pinterest, normalement, s'il n'y a pas de bug dans vos fiches produits, tout se publie en 24-48 heures directement sur le net. On a des systèmes automatisés pour publier automatiquement tous les produits qui sont sur le site et ça c'est très puissant. Ensuite, vous avez une armée de vendeurs qui travaillent pour vous. Les ambassadeurs, les affiliés, la recommandation client. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais en gros, les ambassadeurs affiliés, c'est que n'importe qui sur le site peut promouvoir vos produits et toucher une commission sur vente qui fait partie des 10%. La personne va toucher l'affilié, l'ambassadeur va toucher 7%. Donc si par exemple vous avez de 7% sur le 10%, hein, je précise, hein, donc vous n'avez rien besoin de rajouter, c'est juste que moi je gagne que 3% si ça a été vendu par un ambassadeur. Et c'est très utile aussi pour les recommandations clients. Ça veut dire, admettons, tous vos clients peuvent travailler pour vous. Tous vos clients qui ont aimé vos produits peuvent les recommander et gagner de l'argent. Et ça, c'est incroyable la puissance que ça peut avoir. Imaginez que de base vous avez 10, 20, 30 clients, même s'il y en a, allez, que 20%, 30% qui veulent promouvoir vos produits, c'est déjà ça. L'avantage, vous n'aurez même pas besoin. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des influenceurs, faut qu'on les paye, machin. Là, c'est directement vos clients qui sont vos influenceurs. Ils ont déjà le produit, il n'y a pas besoin de leur envoyer. Ils sont déjà satisfaits. Ils ont adoré votre produit. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que vos propres clients. Et avec ce système qui est tout automatisé, donc il n'y a rien à payer en plus, vous pourrez avoir ce système de décuplement, vraiment de, je ne sais pas si ça se dit, mais d'avoir beaucoup plus de clients parce que vos clients vont recommander à d'autres personnes, etc., etc. Vous profitez également de la publicité faite par Justore parce qu'on gagne de l'argent que si on vend. Donc, et nous, notre objectif, c'est de vendre. Donc, vous bénéficiez gratuitement de toutes nos actions marketing. On fait des actions marketing très, très régulièrement sur Justore de différentes façons et vous profitez de tout ça gratuitement. Après, il y a également des services marketing optionnels en plus. Donc, on a un blog, on peut faire un shooting photo, on a des influenceurs, enfin voilà. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Mais on peut rajouter des choses en plus si vous avez besoin pour votre entreprise. Ensuite, il y a la possibilité de mettre des codes promo, il y a la possibilité de faire la livraison gratuite à partir d'un certain montant. C'est des paramètres qui sont faisables, c'est des options qui sont paramétrables. Il y a également, j'ai oublié de noter, mais il y a les produits personnalisés. Voilà, si vous voulez mettre le prénom de quelqu'un, enfin. Donc voilà, c'est possible de faire tout ça sur la plateforme. Et bien entendu, ça regroupe pas mal de choses, mais l'idée c'est de vous faire connaître auprès de nombreuses personnes qui ne vous connaissent pas encore. Ça va vous permettre ça aussi, la marketplace Justore. Il y aura peut-être des gens qui vont vous découvrir sur la marketplace, ensuite qui vont aller s'abonner à votre compte Instagram ou je ne sais quoi, ou liker votre page Facebook, ou bah, simplement, tout simplement, devenir client grâce à la marketplace, alors que sinon ils n'auraient jamais acheté chez vous, ils ne vous auraient jamais connu sans ça. Et ensuite, le plus important. Quelque chose qui n'est pas faisable en dehors quelque chose qui n'est pas faisable en dehors, c'est le système d'avis client fiable. En gros, il y a beaucoup de gens qui mettent voilà des images d'avis client
qui mettent les avis clients positifs. Généralement, on les met sur les réseaux sociaux, etc. Pareil sur un site internet, on peut mettre les avis clients positifs. Ou aussi, on peut fabriquer de faux avis. Alors, l'avantage de Justore, c'est que c'est ultra fiable, on ne peut pas faire de faux avis. Il y a uniquement les gens qui ont acheté qui peuvent mettre leur avis. Donc, il n'y a pas de faux avis, c'est que du vrai, c'est que du sûr. Et aussi, c'est des avis, pas par boutique, mais par produit. Comme ça, admettons un vendeur qui a des bons produits, mais des produits moins bons, vous savez directement quels sont les bons produits. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est comme sur Amazon, c'est fiable. Ensuite, pour les clients, quels sont les avantages? Donc, trouvez tout ce dont vous avez besoin sur la même plateforme. Donc, ça, c'est génial. Il n'y a pas besoin de chercher partout. Découvrir de nouveaux produits et de nouveaux vendeurs. Il y a peut-être des choses voilà, que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir sur la plateforme. Il y a des milliers de produits, donc c'est génial. Pas besoin de s'inscrire sur de nombreux sites, de chercher partout quelque chose, donc vous faites un gain de temps énorme. Imaginez que vous voulez tel produit. Allez, je vais dire un exemple. Imaginez que vous voulez un maillot Snoot. Vous allez devoir chercher sur plein de comptes Instagram de maillot Snoot, plein de comptes Facebook, plein de comptes. Plein de sites internet, etc., etc. Besoin de chercher partout, c'est trop embêtant. Venez sur Justore, vous avez tous les vendeurs réunis sur la même plateforme. Et même s'ils n'y sont pas tous, en tout cas, vous en avez pas mal. Ça vous fera gagner énormément de temps. Ensuite, il y a un autre avantage, c'est qu'il y a des tirages au sort, il y a des cadeaux et de l'argent à gagner pour les clients. Et oui, ça arrive de temps en temps. Pas très souvent, mais voilà, de temps en temps, il peut y avoir des tirages au sort. Et à la place que ce soit des concours Instagram où il faut rester à l'affût des concours, à chaque fois il faut commenter ou il faut partager, là vous êtes juste inscrit une fois sur la plateforme, vous faites juste un achat et vous êtes automatiquement dans tous les tirages au sort clients sur le site. Donc ça vaut le coup. C'est une seule action pour être toujours dans les tirages au sort. Donc c'est parfait. Et ensuite, bon là c'est la même chose que pour les vendeurs, il y a les avis certifiés sans trucage. Donc ça, c'est très puissant et vraiment très intéressant. Ensuite, maintenant, on va voir les ambassadeurs, les affiliés. Donc, quand je dis n'importe qui peut être ambassadeur affilié, vous gagnez 7% de commission sur vente. C'est-à-dire que vous avez un lien personnalisé et vous pouvez le promouvoir où vous voulez. Et grâce à ça, chaque fois qu'il y a une vente, vous gagnez 7%. C'est possible, voilà, de vous aider au démarrage. Vous avez également un petit tuto vidéo ou enfin voilà, si jamais vous avez besoin d'aide pour démarrer des questions ou autres, je suis disponible pour vous aider à commencer en tant qu'affilié. Possibilité d'avoir des contrats avec des marques pour gagner de l'argent supplémentaire et des produits. Donc ça également, si vous faites des ventes, ça va être intéressant. Qu'après, justement, vous pouvez avoir des contrats avec des marques, c'est-à-dire qu'en plus des 7%, ça c'est ce que fournit Justore, vous avez un contrat avec Justore. Après, s'il y a les marques en plus qui veulent vous rajouter de l'argent ou vous offrir des cadeaux ou quoi, c'est également possible. D'ailleurs, je proposerai, une fois qu'il y aura des gens qui ont vendu des produits, là je pourrais leur proposer aux marques, je pourrais leur dire, ah voilà, tel affilié vous a fait de la pub et vous a rapporté tant de ventes, tout ça. Et après, c'est là où je peux faire la mise en relation. Donc c'est un peu ce que je dis après, page web pour les ambassadeurs qui ont réussi des ventes, de la visibilité. Donc effectivement, s'inscrire en tant qu'affilié, tout le monde peut le faire et c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas uniquement vous inscrivez, vous remplissez un formulaire de 2 minutes et vous avez une grande visibilité. C'est vraiment vous avez réussi à faire des ventes et là les marques savent qu'elles peuvent compter sur vous, que vous allez rapporter du résultat et là elles peuvent aller plus loin avec vous. Donc d'abord vous montrez ce que vous savez faire avec l'affiliation et ensuite vous pouvez avoir plus de contrats. Ça peut même servir pour les influenceurs. Admettons, vous voulez même des contrats en dehors de la plateforme et tout. Au moins, vous avez une page avec vos résultats. Vous avez un truc qui n'est pas truquable. Vous avez vraiment des choses qui montrent vraiment vos compétences en tant qu'influenceur. Vu qu'il y a des vrais résultats sur vente, etc., on peut pas tricher. Là aussi, pareil, c'est fiable. Souvent, quand on prend des influenceurs sur Internet, on ne sait pas ça va être quoi le résultat. Là, au moins, grâce à la visibilité qu'auront les meilleurs affiliés, vous pourrez savoir ceux qui feront le plus de ventes. Il y aura également des concours pour gagner de l'argent et des cadeaux en plus. Là, c'est pareil, ça va être les meilleurs qui sont récompensés. L'idée, voilà, c'est pas. En fait, on a envie de vraiment changer ce système d'influenceurs où généralement les gens, c'est ceux qui ont le plus d'abonnés qui gagnent le plus d'argent. Alors que moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette approche-là. Moi, je suis plutôt de l'approche ceux qui font le plus de ventes gagnent le plus d'argent. Et c'est beaucoup mieux
autant pour les marques que pour les influenceurs. Il faut récompenser les meilleurs. Ensuite, il y a autre chose aussi, vous pouvez être republié sur notre compte TikTok. Il suffit juste en fait de publier une vidéo avec le hashtag JustorFamily et en plus de nous taguer. Donc justor.fr sur TikTok. Ça peut marcher également sur Instagram avec les Reels. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez être publié, avoir un petit peu de publicité gratuitement. Ça peut être sympa. On peut faire également des compilations YouTube de toutes vos petites vidéos de publicité. Donc comme ça, vous aurez encore plus de visibilité. Et il y a autre chose que j'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas encore disponible, c'est le Juicestore Club. C'est un truc que je veux faire un peu plus tard. C'est la possibilité aux affiliés d'avoir des événements privés, des formations, du coaching pour s'améliorer en tant qu'affilié, d'ambassadeur, également de faire des rencontres avec des marques qui pourraient faire appel à vos services, donc pour gagner voilà des contrats, etc. Mais voilà, ça c'est optionnel, ça va être quelque chose de payant avec je sais pas comment ça va être fait, si c'est un abonnement ou un tarif fixe une fois et c'est tout. Mais ça va être un petit peu plus tard. Je vais vous le mettre entre parenthèses pour que vous sachiez que ça verra le jour, mais ça va pas être avant un mois ou deux. Ou plutôt même de 2-3 mois, je dirais. Parce que j'ai beaucoup de choses à rajouter avant. Donc voilà, ça viendra un petit peu plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins, voilà, vous savez les avantages pour chacune des catégories. Ciao, ciao.